peuple haïtien. Depuis un bon bout de temps, le pays nous a tombé dans un tout militaire sans fond. Côté ces propres petites lits qui fouillent droit et poussent la gueule là-dedans. Avant 1804, nous étions esclaves. Jadin, esclaves domestiques, esclaves à talent. Jodi a en 2024, trouvez-nous esclaves de l'insécurité, esclaves de la misère, esclaves grand goût, esclaves souffrance, esclaves corruption. Nous songeons dans la nuit du 14 au 15 août, esclavio sous leadership Boukman te rencontré Wakaïman, yo te injecté sans révolution dans 20 chaque grain haïtien qui était là. Et c'est ça que t'as pral accouché 22 août côté nous t'ai gagné le soulèvement général des esclaves. Je dis hein, réveil national et allié, opposition plurielle là. Mande peuple là, même gens esclaves ont été révoltés après cérémonie Bois Caïman aujourd'hui hein, pour tout à travers pays à continuer suivre mot d'ordre opposition plurielle là pour continuer lever campé et n'a félicité n'a encouragé toute initiative qui te prend après grande journée manifestation que nous avons organisé jeudi dimanche 11 ans et nous avons demandé continuer lever, continuer camper et nous encourager tout ça qui a fait dans le sens pour nous lever camper général pour nous dire non à l'occupation, non, oui à la constitution pays. Nous tous constatons, nous avons aujourd'hui un couleur sept têtes qui n'a pas rien comme projet, qui passait à côté des missions qui ont été gagnées, qui c'est or, qui c'est mettre sécurité, rétablir l'autorité de l'État, organiser l'élection. Ils ont dit clairement qu'ils n'ont pas capable d'organiser l'élection. C'est-à-dire, ils ont échoué avec mission. Dans ce sens, ça, nous demandons à la population pour lever camper, pour le goumer contre pour lever cette tête-là à tout gouvernement incompétent. Pour protester contre collaborer. Qui choisit au lieu de servir pays pour continuer à collaborer avec étrangers au détriment pour pays. Dans minute de parler là, nous tous connaissons que pas grand rien qu'a fait pour Haïti sortir côté lié. C'est violation constitution, c'est violation la loi qui a fait sous toute la ligne. Et monsieur yo clair, ça fait pays pas intéressé yo, ça fait peuple qui grand goût pas intéressé yo, ça fait moun qui déplacé qui jodi a vivre dans belle étoile
pas intéressé. Ça fait misère population en grand goût. Qui jodi, mettre peuple là à genoux, pas intéressé. Celle ça qui intéressé, c'est faire la quête, c'est brasser, c'est faire l'argent pendant que peuple là a souffert. Pour toutes raisons ça, opposition plurielle. Mande population pour continuer suivre mot d'ordre nous. Pour continuer camper à côté nous. N'a profité pour lancer un appel solennel à tout groupe organisé dans le pays. Dans tout horizon que vous avez, quitte vous à l'étranger ou bien vous êtes dans le pays, syndicats, ouvriers, patrons, partis politiques qui parlent féodés, secteur privé, élite pays, élite intellectuelle, étudiants, pour vous tous rejoindre nous. Nan gros combat ça que nous lancer qui est le hola pour nous libérer pays. Pour nous arriver, nous avons annoncé des grandes journées d'activité politique. Première grande activité, nous lancer pour 22 août. Le 22 août, réveil national et allié, opposition plurielle a organisé un gros emblé. Jour 22 août là, qui c'est journée qui démarque le soulèvement général des esclaves. La journée porte ouverte. N'a pas des conférenciers, n'a pas des intervenants, des hommes politiques pour sensibiliser la population sur l'importance du soulèvement des esclaves là et pour prendre conscience, même gens esclaves ont pris conscience en, le 22 août pour être soulevé contre l'esclavage, et bien je dis pour le peuple à prendre conscience. Pour le soulever contre l'insécurité, pour le soulever contre la misère, pour le soulever contre grand goût, pour le soulever contre qu'on lève cette tête dès qu'on connaît. Ça, c'est pour 22 août. Maman Bimba, c'est 28 août. Maman Bimba, c'est 28 août. 28 août. N'a lancé officiellement la marche des braves. La marche des braves. La marche des braves. Puisque Gary Kouni, Edgar Leblanc, avec équipe, pense à Haïti, c'est jardin papa yo, c'est jardin maman yo. Puisque yo pense Haïti, c'est bien personnel yo, yo choisi pour violer la constitution. Yo choisi pour interdire moun manifester, on doit aller plus entier que constitution pays nous ba nous, que chaque nation zini en ba nous, que yo pense yo ka violer, eh bien, le 28 août, les braves seront dans les rues. Les braves haïtiens seront dans les rues pour défendre la souveraineté du pays, pour défendre la constitution. Pour exiger sécurité, pour exiger départ sans condition, Gary Kouni à toute couleur cette tête. Merci. Très bien. Pas de question. Merci à vous la presse. À Monsieur Dikon Michel, président de la communauté caribéenne, Gary Kouni. L'objectif de cette lettre, c'est le rejet total du pouvoir en place en Haïti. Monsieur le Président, l'opposition plurielle, dont Réveil National et Alliés, vous présente ses salutations,
distingue et attire votre attention sur les principes de l'indépendance de la République d'Haïti fondée par l'épopée de 1804 que la CARICOM se doit de respecter par-dessus toute considération. Haïti est un pays indépendant depuis 1804 et une république qui fonctionne selon ses propres lois dans la communauté des nations et de la Caraïbe et du monde. C'est un pays pilier et pivot de la CARICOM par superficie, son poids démographique, historique et diplomatique. Promoteur de la liberté dans le monde et du respect du droit des peuples à autodéterminer leur destin, le peuple haïtien a choisi la démocratie depuis la fin de la dictature des Duvaliers en 1986 et a opté pour la constitution du 29 mars 1987, actuellement en vigueur comme boussole pour l'organisation de sa vie sociopolitique. Empêtré dans une instabilité politique chronique depuis la chute des Duvaliers en 1986 jusqu'à la mort du feu président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, notre chère patrie est entrée dans une période d'inconstitutionnalité totale, sciemment supportée par la communauté internationale. Le COE Group qui refuse d'appuyer les démarches visant à faire respecter les dispositions de la Constitution haïtienne. Démocrate respectueux des lois de notre République et mettant par-dessus les intérêts fondamentaux de notre pays, notre force politique demande à la CARICOM de se mettre à la hauteur de la gravité de la crise politique actuelle et de respecter les lois de notre République dans ses démarches d'accompagnement et de recherche de solutions durables à cet imbroglio politique. Militant pour une solution constitutionnelle et durable, le Réveil National et ses alliés et vous demandent d'arrêter de patauger dans les erreurs et aveuglement de votre institution. À deux reprises, en violation de toutes les normes nationales et internationales, la CARICOM a contribué activement à l'imposition de deux gouvernements en Haïti en dehors de notre constitution, à savoir le gouvernement du Dr Ariel Henry et le gouvernement actuel composé d'un serpent à sept têtes, deux cornes, une queue. Et cet aveuglement a des conséquences socio-économiques et humanitaires graves sur notre pays. Anéantissement de l'État haïtien, augmentation incontrôlable de l'insécurité sur tout le territoire national, prise d'otages croissante de la population par les gangs armés, corruption et division au sein du pouvoir, augmentation de la misère et de l'insécurité alimentaire, effondrement de l'économie du pays, émigration massive de la population vers l'Amérique latine et les États-Unis. Fort de ce constat, le Réveil National et ses alliés vous demandent sans plus tarder de repartir avec vos membres contractuels du CPT et le gouvernement corrompu, incompétent et inconstitutionnel. Le peuple veut revenir à l'ordre constitutionnel en installant, selon l'application des règles institutionnelles, un président provisoire de la République et un gouvernement compétent pour redresser la machine institutionnelle en Haïti, résoudre le problème de sécurité, relancer la vie économique du pays et organiser les élections générales dans le plus bref délai possible. Nous insistons sans aucune forme de procès sur le respect de la souveraineté d'Haïti. Il est impératif que les décisions concernant notre pays soient prises par les Haïtiens et pour les Haïtiens dans le cadre des lois et des normes établies par notre Constitution. Notre intervention, toute intervention ou ingérence externe qui ignore ou bafoue notre souveraineté et nos lois constitutionnelles est inacceptable et produira les résultats contraires. Les Haïtiens sont les maîtres de leur destin. Et toute solution durable doit venir de l'intérieur du pays, avec la participation inclusive de toutes les forces politiques légitimes du pays. La coopération avec la communauté internationale est la bienvenue, à condition qu'elle respecte notre souveraineté et ne cherche pas à imposer des solutions étrangères ou des dirigeants choisis par des intérêts externes. La collaboration avec des pays amis d'Haïti et des organisations internationales doivent se faire dans le respect mutuel et en accord
avec les principes fondamentaux de la République d'Haïti. L'opposition plurielle à travers l'OLA, l'opération Libérer Haïti, vous demande pendant votre passage en Haïti d'aider à solutionner cette crise en obtenant le départ immédiat de toute l'équipe d'apatrides au pouvoir et de supporter l'application de la Constitution haïtienne de 1957. Salutations distinguées.